Sérieusement, ce Dove-là, ça fait pas longtemps que je l'ai vu au Québec, dans les pharmacies. Puis sérieusement, ça sent juste trop bon. Genre, ça sent le frais, mais comme vraiment comme classique, genre. Comme, oh, je peux pas expliquer, mais comme j'adore, 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 j'adore. J'ai acheté comme une grosse boîte au complet, là, parce que j'adore. Puis en plus, c'est bon parce que si vous avez la peau sèche, Dove, là, comme de baisse pour ça. J'adore Faudate, mais j'ai parlé en français en même temps. C'était bizarre. En tout cas, je vous recommanderais à 200%, guys. Comme, pff, terrible. Terrible. You cheat on mommy for £1 billion. Yes, I wouldn't even think about it twice. Why are you always asking your dad the fun stuff? It's no brainer now. I will do it for 100,000. What? It's for us. It's a business transaction. Oh, that could be a good idea. Give me 5. We can buy a water fountain at the back of the house. We can go to my fatherland. Oh, that's a good idea. My wife, you, my best friend. Okay, guys. Donc, j'ai quasiment fini mes soins, mais j'en avais tellement, puis je commençais à avoir faim. Et je me suis amenée une pomme. J'étais en train de boire un thé matcha. Mais je voulais juste vous montrer, je pense que je l'avais déjà montré parce que j'adore tellement ça, mais c'est ma fameuse crème aux fraises, parce que vous savez que j'adore. Puis moi, le soir, j'adore mettre des petites brunes corporelles parce que c'est ça. C'est pas trop fort, ça sent pas trop intense et tout. Puis je trouve que pour dormir, c'est parfait. Et bien évidemment, pour bien hydrater, surtout l'hiver, une huile. Et pour l'aloe vera, là, je l'ai utilisé sur mon visage quand c'était un peu humide. Et j'ai commencé à utiliser ces fameuses pierres-là pour sculpter le visage. C'était vraiment doux, c'est froid, c'est vraiment intéressant et tout. Mais avant ça, j'ai fait des soins, donc j'ai commencé à enlever tout ce qui était un peu, tout ce qui est poil et tout au niveau du visage. Et j'ai ma fameuse petite machine, mais que j'ai laissée dans ma chambre, pour tout ce qui est aussi les poils au niveau du visage, proche des lèvres et tout, juste pour être sûr et certain que j'ai pas de moustache. J'ai un petit duvet là, puis ma gasse et tout, donc c'est ça. J'ai utilisé ma fameuse petite machine que j'ai achetée au Dollarama. Donc, c'est des ions positifs et négatifs. Donc, je me suis même laissé un mémo parce que j'avais jeté la boîte parce que c'était trop gros. Donc, tout ce qui est négatif ici. Donc, c'est pour tout ce qui est l'élasticité, puis c'est ça. Puis, le petit plus, c'est pour tout ce qui permet de préparer la peau à réduire les apparences de pores, etc. Donc, dollar, guys, dollar. En plus, il fonctionne super bien. Ça fait un petit bout que je l'ai en plus, là. En tout cas, dolo, dolo, guys. Après ça, ici, donc, ce fameux produit-là que j'aime quand même assez bien. Je vais pas vous mentir, puis j'aime vraiment l'utiliser le soir. Je l'avais présenté quand j'avais acheté le produit parce que c'était quand même un peu nouveau. Mais j'aime bien, ouais, j'aime vraiment, vraiment bien. Puis, dans le fond, après ça, j'ai mis ce produit-là. Désolée, il est vraiment sale parce que ben, j'ai comme tout taché mes affaires. Donc, focus, peut-être de l'autre côté. Oh my god, j'ai tellement honte. Tout est sale, de fond de teint, de tout. Je m'excuse, c'est vraiment sale. Ok, donc c'est pour tout ce qui est égalité au niveau de la peau, s'il y a des ridules. Après ça, j'ai utilisé ceci au niveau de mes lèvres. Bien évidemment, ceci. Mais là, la marque est disparue. Là. Oh non, elle est là. Donc, c'est une crème pour les yeux. Mais avant d'utiliser tout ça, là, mes affaires ne sont pas en ordre. Mais avant d'utiliser tous ces produits-là, en fait, quand j'ai fini de nettoyer mon visage, ce que j'aime faire, c'est utiliser un tonique. Ce tonique-là, j'avais montré dans une vidéo, il était vraiment pas bon, puis il y avait de l'alcool, il était super asséchant. Mais dans le fond, je me suis créé moi-même un tonique à partir. Dans le fond, j'avais un restant de tonique, fait que je l'ai mis dedans, puis j'ai fait bouillir. Dans le fond, my god, des pétales de rose, et il n'y en avait pas beaucoup, mais quand même. Fait que c'est ça. Puis le restant de produits qu'il y avait, dans le fond, c'était à base de riz, puis c'était biologique que j'avais acheté.
Donc, après ça, dans le fond, une crème de nuit, je vous avouerai que je ne l'ai pas souvent utilisée, mais je me suis dit je vais l'utiliser parce que ben, c'est une crème de nuit, donc elle est beaucoup plus hydratante. Bien évidemment, mes affaires sont vraiment pas en étape. J'ai ceci pour exfolier. Après ça, je vais utiliser mon fameux Elf, bien évidemment, hein, pour garder les lèvres vraiment bien hydratées. Et est-ce que j'ai montré ce que j'avais à montrer? Oh, j'ai lavé mon visage avec... J'ai relavé mon visage, excusez-moi, avec ces deux produits-là. Parce que dans le fond, j'ai teint mes sourcils. Fait qu'après l'avoir teint mes sourcils, ben j'ai comme relavé mon visage au complet. C'est pour ça que ça vient nettoyer. Puis, après ça, j'ai utilisé ce dentifrice-là. J'ai brossé mes dents. Et le soir plus tard, je vais utiliser ce fameux produit-là juste pour être sûr de bien enlever tout ce qui doit être parti là, au niveau de mes dents. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai quasiment fini. Je vais simplement appliquer ce produit-là, ben, cette tuile-là, sur mon visage. Puis après ça, je vais faire mes... Après ça, je vais appliquer ceci, comme je disais. Et je vais faire mes cils parce que ben ils sont dus. Puis aujourd'hui, j'ai profité d'enlever toutes les trucs dégueulasses au niveau de mes pieds. Sérieusement, je suis vraiment contente parce que mes pieds sont vraiment clean. Je pensais que c'était horrible, mais non. Ouais, c'est juste à moi que ça arrive. Comment les... Qu'est-ce que vous faites, guys? Vous êtes en train de chill ou quoi? What's up? Que... Je vais vraiment faire attention parce que j'allais les prendre. Pendant que ma vouloir est en train de travailler, moi, je suis en train de me faire un thé, en fait. Et j'ai utilisé un peu de menthe, la sauge, et j'ai utilisé des restants, on va dire ça comme ça, de ce que j'avais utilisé pour faire mes jus. Là, je vais peut-être me mettre un citron, là. Donc là, vous pouvez voir ici. Et ici, il y avait des coupes... de gingembre, donc j'ai utilisé ici là, des gingembre, des morceaux de gingembre, puis ici c'est de la betterave, mais je vais le laisser pour plus tard. Donc là je me fais un petit thé, tu sais, vu que c'est l'hiver et tout, et ma gorge commence à être sec, je me suis dit bon, on va faire ça comme ça. Donc je vais juste vous montrer qu'on croit qu'on peut récupérer quand même un peu de ce qu'on fait quand on fait du jus frais à partir de l'extracteur de jus. Donc voilà. Donc là, c'est prête. Thank you.
Ok guys, j'ai l'air de rien. Donc là j'ai mis ça dans mes cheveux. Je suis toute sale, on voit pas trop avec le flashlight, on voit un peu. Mais ça va là. C'est ma tête. Avec absolument rien. Ça fait un peu spécial vu que j'ai pas le petit miroir avec cette tête là. Mais ouais, fait que là je vais juste aller mettre un cap, donc juste pour que ça soit plus chaud, que ça ouvre les pores, puis que mon masque soit plus efficace. Fait qu'on va faire ça comme ça pour un bon 30 minutes, maximum une heure, puis c'est ça. Bon, la vidéo tire à sa fin. J'espère que vous avez apprécié et aimé cette vidéo. Et nous, on se voit très bientôt dans une autre. Bye!